Wow. Remettons les choses au clair. On ne pourra pas faire pire. Ça vous est déjà arrivé ce moment où t'as simplement plus envie de rien? Quand vous vous levez le matin, un batifolé sous la couette. Je me dis, je suis capable de tout faire. T'es capable? C'est simple la vie, hein? C'est qui? C'est toi. Tu es ton propre guide. Ça et ne pas avoir peur de la solitude. De rentrer à la maison et se dire, merde, il y a deux valises dans le salon, la femme n'est plus là, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Non, moi, pas d'obstacle dans ma vie. Et là, tu lèves la tête et qu'est-ce que tu vois? Un truc incroyable. Wow, my God! T'es un truc qui te tombe dessus, toi, tu t'y attendais pas! T'étais là, tu faisais, waouh! Peut-être que c'est super dangereux et ça nous fait peur. Ce serait fou, non? Les choses qui arrivent pour une raison, ou pas. On aimerait un peu de magie, des fois. Puis là, tu t'imagines que tu te retrouves au milieu de nulle part et là, t'es perdu. Alors, ça arrive, hein, d'être perdu. Donc tu te mets pas trop en danger. Des fois, c'est bien d'être perdu. De pouvoir se dire, eh ben, qu'on est au milieu de nulle part et puis que ça nous fait kiffer, quoi. Les problèmes s'enchaînent directement, c'est effet boule de neige, comme on dit. Hein, qui va s'occuper des chiens? Hein? Qui va l'emmener, Martine, au restaurant? Allons sans moi, là. La nostalgie, sérieusement? Mais moi, je trouve pas que c'était mieux avant. Ou peut-être c'était mieux avant, mais vis dans le présent. C'était pire avant. Et ils roulaient sur la route avec des chevaux, bordel! En même temps, quelle classe. Quoique un peu long pour aller loin, j'avoue. Et puis des fois, c'est la vie, ben, on attend. Ces petits moments où on attend quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Tu te sens vide, égaré, comme une porte qui se ferme devant toi. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, n'oublie pas, on ne pourra pas faire pire.